Hey, bonsoir, c'est Agi, on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon version Lune. On peut voir le Motismadex qui s'est lancé. Et je vois une icône là-haut qui est un drapeau qui est apparemment l'endroit où on doit aller. On doit aller à l'école des dresseurs, c'est ça, hein. Et ici, est-ce que c'est un dresseur? C'est pas un dresseur, hein. Je n'ai réussi à capturer que des Pokémon de type plante, mais du coup, je perds tout le temps contre les Pokémon qui utilisent des capacités de type feu. Ah oui, ça c'est sûr que c'est un peu chaud là-dessus. Nous, ça va être pareil parce qu'on a un Pokémon de type plante. Il va falloir qu'on gère ça. Alors, on va voir un petit peu les Pokémon qu'il y a ici, tiens. Comment on fait? Ah, faut appuyer sur le bouton Y, échanger, très bien. Donc on va XP un petit peu mes autres Pokémon. Surtout Chenny que je vais garder. Voilà. Ramolos, je sais pas, c'est à voir, mais Coxie, ça c'est sûr que je le garde pas. Là on l'a au cas où, donc ça sert à rien que j'aille l'XP pour moi. Ramolos! Ok, donc ce qu'on va faire, on va pas combattre avec Chenipan. Ça va être assez dur. On va appeler Brindibou. Il n'y a plus beaucoup de PV non plus, du coup il va falloir qu'on soigne tout ça, peut-être aller voir maman, ou s'il y a un centre Pokémon pas loin. A voir. Peut-être direction l'école des dresseurs avant, s'il faut soigner. On ira soigner. Défense, ok, on s'en fiche. Feuillage. Zuc. Oh oh oh, très efficace. Rugissement qui va pas me faire grand chose, on va pouvoir le finir. Et comme ça, on va découvrir aussi s'il y a d'autres Pokémon dans ces autres herbes. Mais apparemment, ça a l'air d'être les mêmes que ce qu'on a déjà vu lors du précédent épisode. Déjà des Tyrannolos. Niveau 3, ouais. Niveau 4. Génial. Et on va continuer un tout petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va continuer. Peut-être des choses... Oh, là, c'est bloqué pour le moment. Je peux rien faire. Mais je pense savoir. Mais on reviendra plus tard là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Manglouton. Donald Trump, on s'en fiche, tu vas mourir. T'es niveau combien? Niveau 7. Ouais, ça va pas le faire. Hop. Brindibou. Et puis aussi, XP de nos autres Pokémon, ça permettra d'affronter des dresseurs assez puissants. Parce qu'on va pas que compter sur le starter. Hein. Même si ça ne dérangerait pas. Hein. Bon, à chaque fois que je jouais à des Pokémon, toujours, je me servais que du starter. Le reste, ça servait pour les CS. Mais là, c'est un let's play, c'est de la découverte. Donc on va prendre notre temps. Et puis varier les Pokémon. Sinon, il n'y a aucun but. Enfin, c'est ce que je ressens. Niveau 11. Plus Brindibou monte de niveau, donc c'est parfait. Hein, voilà, petit attaque en plus. Étonnement. Oh ça peut être pas mal ça. À la place de rugissement. Une attaque de type spectre. Ça pourrait être très utile. Niveau 5, si je me trompe. Allez, on va rentrer au bercail. De toute façon, il y a encore des autres herbes. Donc si jamais encore quelques Pokémon sauvages pour pouvoir XP. Ah oui, on m'a dit de tester des choses avec le dresseur. On va tester ça après, quand je sortirai des autres herbes. Vas-y, chenille! Il est beau. Il est trop beau. On va rechanger. Brindibou, vas-y. Et on m'a fait la remarque aussi, quand on finit un combat, à la fin du combat, on peut soigner nos Pokémon des statues. Donc paralysie, dodo. Juste en appuyant sur le tactile. C'est ce que j'avais vu lors du présent épisode aussi, je crois. Dans mes souvenirs, étonnement, ouais, aucun effet, c'est spectre. Parce qu'il est de type normal. Il est immunisé. Donc on s'est tapé fort là. Hein. Charge. Il fait mal hein, quand même le manglouton. Hein. Il fait super mal. Pic pic. Il a l'air d'avoir beaucoup d'attaques. Ah, je suis 69. Quel beau nombre en plus. Et niveau 6. Ok. Bientôt évoluer, c'est-à-dire. Peut-être un dernier combat et ça devrait le faire. Encore un manglouton. Bon, Chenny, je vais me servir un petit peu de toi, s'il te plaît. Plus, t'as le même niveau. Donc, attaque charge. Chenny a pas mal de défense. Voilà, ça tient.
On l'a fait mis. On continue. Je vais pas le capturer. On va garder les Pokéballs pour des Pokémon qui m'intéressent. J'ai peut-être une idée de ma team. Mais pareil. Ça, ça va voir plus tard. Touk! Bien sûr, faut que tu fasses un coup critique. Et dire que je l'avais senti en plus. Bon, tant pis, Chenille, ça sera un petit peu pour plus tard. Feuillage, vas-y, finis-moi ça, on va les soigner. Tout. Yes. Bon bah, tout l'XP revient à Brindibou, que 37. Donc l'XP varie en fonction de notre niveau. Alors, on m'a dit de tester. Voilà, de faire ça. Ah oui, d'accord. On est prêt à se casser la gueule. En fait, quand je spam le bouton B, voilà. Et normalement, il y avait aussi ça. Oui. Et c'est bon? Ça se finit ou pas? Si j'arrête? Yeah! La classe. Allez. Ouais, au drapeau, allez. Attends, avant que tu n'ailles à l'école de sœur, je vais te présenter un peu le centre Pokémon. Oh bah parfait. Justement, c'est ce qu'il me fallait. Parce qu'on a fait un peu d'XP, on n'avait pas soigné nos Pokémon même juste avant. Si Pokémon sont blessés, adresse-toi à l'infirmière dans la réception, elle les soignera sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ne supporte pas de voir Pokémon souffrir. Tu sais que tu vois l'un utile pour stocker ou retirer des Pokémon. Ça, c'est la boutique Pokémon. Tu peux y acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un œil. On va aller voir ça. Pour finir, il y a le café. Moi, j'adore venir ici pour boire du lait meumeux. C'est presque ce que j'ai lu dans les guides touristiques. Chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun sa spécialité, en quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour d'ici. On va aller voir tout ça, ma petite fille. Bien, mettons-nous en route pour l'école de dresseur. Mais avant ça, n'oublie pas de soigner tes Pokémon. Ok, madame. Donc. Un petit soin, direction l'école de dresseur. En avant, Motismadex qui me dit ce que je dois faire. Tu restes à ta place, s'il te plaît. Quatre magnifiques Pokémon. Merci. Et toi? Et notre mode de s'échoppe, il est maintenant à cette heure-là. Nos cafés offrent un espace de temps au sein des sortes Pokémon pour tous nos dresseurs. Et vous prendre aujourd'hui? Alors, limonade, les meumeux, jus de nanana. C'est des trucs pour soigner nos Pokémon. Mais ça m'intéresse pas, merci. Ok. Et au shop, qu'est-ce que tu vends? Pokéball, il me reste 8, ça suffira. Anti-dodge, anti-para. Je vais en prendre un, de toute façon, au niveau fric, on est pas mal. 35 000. Un réveil, j'en ai un. Un anti-brûle. Ça peut être toujours utile. Anti-gel, ça m'étonnerait vers le début. Corde sortie, 1000, ça coûte cher. Et repousse pour... Non. On est là pour découvrir aussi les Pokémon qu'il y a dans les herbes. Donc on va pas prendre de repousse. C'est pas ma priorité. Et tu vois, le petit drapeau là-haut qui m'indique où je dois aller. Voilà l'école de dresseur. Mais que se passe-t-il? Ah, ce maudit Tauros. Je crois bien que ce brave Tauros bloque le passage. Heureusement, nous nous rendons juste à l'école de dresseur. Nous occupons pas de lui. Bonjour, vous ne passerez pas par ici, ce n'est pas le moment, donc on va mettre un taureau, ce qui vous bloque. Et voilà. Et agitant, on dirait que je suis arrivé en premier. Ah, enfin bref, bienvenue à l'école dresseur, le passage obligé de tout dresseur qui se respecte. Ah, professeur Reforme, c'est la nouvelle élève dont on avait parlé. Ouais, faut qu'elle apprenne le B.A.B.A. Et pour ça, quoi de mieux pour que d'ouvrir le bal avec. 4 dresseurs. Agita, pour ta première leçon, tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école. Ça fera une bonne expérience pour tes Pokémon et toi. D'ailleurs, en parlant d'expérience. Hein? Non! Si tu actives ton multi-expérience, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des points d'expérience. Mais c'est abusé, ça! Le multi-expo début! Tes adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école, certains t'attendent à l'intérieur. Faisons pour faire un tour. Ah ouais, mais ça nique le jeu, quoi. N'a pas l'air la franchine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. C'est elle qui a formé le capitaine de l'île. Voilà un dernier conseil pour la route et je te laisse tranquille. Après affronter un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants quel type de capacités sont super efficaces sur lui. Ça, je le sais. Merci. Je le sais aussi, je le sais aussi. Multi-expérience.
C'est vrai que ça nique un peu la game, hein, mais le problème c'est qu'il faut équiper tous les Pokémon et ça, ça évite au moins. Désactiver. Il est activé? Ajouté au fourre-tout. Ouais, il était activé. Ok. Ouais. En même temps, c'est chiant et en même temps, non. Bon. Oui, c'est vrai, appuie sur le bouton Y. Hop. Permettre Brindipou. Très bien. Allons à l'école. Affronter ces quatre dresseurs. Toi, tu ne peux rien. Bonjour. Tiens, tu devrais donner ça à un Pokémon qu'il ait de bonnes griffes ou non, il saura l'utiliser. Vive griffe, comment je m'en doutais. Ça peut être pas mal ça pour Abolos. Et ouais. Ouais, je connais. Là-dedans. Bonjour professeur. Sensei. Vous en faites parfois des cours ici, c'est un spécialiste des capacités utilisées par les Pokémon. Ok, bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Faudrait que j'aille dans la cour. Là, on a une sortie. Qui amène dans la cour, en plus, justement. Si je dis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est moi le plus balèze. Si tu m'affrontes, il faudra d'abord passer sur le corps des autres dresseurs. Ok. Là, il y en a un objet. On a un autre objet de l'autre côté. Potion. Très bien. Ah, on visite, hein. Tranquille. Là-haut, c'est des places de parking, rien d'intéressant. Ça me fend toujours le cœur de voir un Pokémon blessé si j'ai besoin. Viens me voir, je me ferai soin. Oh, une joie de te soigner. Gratuit. Voilà, dernier conseil pour la route, je suis tranquille. Bon. En même temps, ça a toujours été gratuit. Ok. Tiens, ça, j'avais pas vu tout à l'heure. Encore une potion. Elles sont plutôt généreuses au niveau des objets. Hein. Après, on m'a dit d'attendre si tu gagnes contre moi, je te prendrai un truc simple et très utile. Bon, fight! Let's battle! Versus Logan, la jeune sportive. Yo, un petit Picasso. Ok. Alors lui, s'il a pic-pic, ça va me faire mal. Hein. Attaque. Allez, un petit pic-pic aussi. C'est soit ça, soit charge. Ça va. De ça, on va morfler un petit peu. Ça tient. Bien joué, Brindibou. Et on finit avec un pic-pic. Voilà. 64 points d'XP. Et le reste, voilà, il gagne aussi. Coxy niveau 4. Coxy niveau 5. Voilà, tu vois, on peut soigner là. Il écrit sur le petit truc soin Y. Et ça va être soigné des statues. Et je pense pas que ça utilise des objets. Ah, c'est quoi ça? Attends, on va te brosser mon petit. Parce que là... T'as des trucs sur la gueule. Voilà. Mon joli Brindibou. Ça c'est fait. Voilà, il est content. C'est quoi ça, des petits cœurs? C'est de la bouffe? Pas l'air content. Bon, nous on continue. Tu peux améliorer tes Pokémon avec des capacités ou des objets. Grâce à ça, ils peuvent par exemple infliger plus de dégâts ou en subir moins. Ah ouais. Et du coup, pour affronter les autres dresseurs, je peux les soigner sur elle. Voilà. Et retourner au combat. Est-ce que toi tu me défies maintenant? Les autres dresseurs. Je les ai pas vus. Ils doivent être dans l'école. À l'étage. Ça c'est quoi encore? Je peux pas y aller. On a encore un autre étage. Wow, wow, wow. Salle de classe, rien de bien important là-dedans. Ah, toi t'étais tout seul. Pas mon gros. Quand c'est pas mort, Amoros peut endormir son adversaire. Ok.
La salle informatique. Ces assassins ne sont pas tous dans la cour d'école, certains t'attendent dans l'intérieur. Peu de temps pour faire le tour. Ouais, bah justement, je suis en train de les chercher. Ah, tu veux pas que j'y aille? Ah merde! Tu vas pas me dire qu'il y a des élèves de classe qui veulent m'affronter? Toi. Ah, tu es trop près de moi! Quand les gens s'approchent trop, ça me donne envie de faire un combat. Ah, bah voilà! Sa gueule était dans son coin. Ça, c'est bizarre. C'est une dresseuse, une toute petite, l'humile petite. Elle n'a pas 5-6 ans. Manzai! Oh. Et vas-y, Brindibou. Occupe-toi de son cas. Ça a bien fonctionné avec une attaque feuillage. Choutou! Voilà, type roche. Ça fait mal, coup critique en plus. One shot obligatoire. Je dis, Montagne au 7, ça sert qu'il va évoluer. Attention. Ma petite chenille. Da-da-da-da. Wow. Oh, ça a changé. En crise acier. Il va prendre armure. Ok. Je n'y pense. Crise acier. Enregistré. Oula, super, c'est pour les Pokémon que j'enregistre dans ton Pokédex, j'en suis motisphère. Très bien. Oui. Je n'y ai pas armure. Quel étonnement! Merci. Il me reste un dresseur quelque part. Toi, non, non. Toi, le petit. Non plus. Dans cette salle. Je crois pas. Ah, peut-être l'enfant là-haut. Il y en a un, ok. Non. Non plus. Et non plus, c'est pas ici. Parce qu'il m'en manque un quelque part, je pense pas que ce soit celui de la cour. Lui? Ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. Troisième dresseur. Après, il restera plus qu'un. Et il y a aussi des herbes. J'irai voir ce qu'il y a comme Pokémon à l'intérieur. Candle. Crise acier. Ah bah tiens. Lui, là, au moins, il a tout compris. Donc, vas-y, Brindibou. Un petit pic-pic. J'ai confiance en toi. Je pense pas que tu vas le tuer, puisqu'il a pas mal de défense. Mais si ça passe courtique encore, non, tu as envie de me faire plaisir. 69, très plaisir. Ok. Ouais, bien sûr, un petit XP, de l'abus. Complètement abusé cet objet, pardon. J'en perds même mon latin. Ok. Oui, on sait qu'on peut soigner ici, empoisonné. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Miaous! Miaous sauvage, Alola. C'est pas un Pokémon qui m'intéresse, donc je vais pas le capturer. En plus, le persian Alola. Oh, mon dieu, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Alors, je crois que t'es ténèbre, toi, hein. Je dis pas de conneries. Feuillage. Aïe. Bon, je suis pas un fin connaisseur de Pokémon, mais après je connais quand même pas mal de choses. Parce que stratégiquement parlant, ça m'intéresse un peu. Mais sans plus, tu vois, donc je connais quelques trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Miaous, hein. Un Magnéti. Oh, ça c'est pas mal ça. Par contre un type acier, j'ai pas trop d'attaque pour toi, hein. Allez, feuillage. Non plus, c'est pas un Pokémon qui m'intéresse, donc je vais pas le capturer. Ah ouais, éclair. Ça va, il résiste.
On continue avec feuillage. Après, je vais aller soigner et affronter le dernier dresseur. Heureusement, j'ai pas pris le trésor dans la gueule. Ok, et encore une fois. Et on évite. Yeah! Il gère notre point d'hibou. Donc! Très bien. Coxy niveau 7. Il apprend toujours pas d'attaque. Ah, il y a un objet. Antidote. Ok, il y en a quoi en bas? Là, on peut éviter les herbes. Et encore un autre objet. Antipara. Bon, j'ai acheté pour rien, mais c'est pas grave. Un petit Pokémon, encore une fois. Magnéti. Bon. Je vais le fuir, lui, directement. On va pas trop s'embêter. Alors, fuite. Tranquille. Pas mal de vitesse. On évite. Et voilà. Je vais soigner avant de te défier, par contre. Parce que t'es un peu le dernier dresseur. Tu nous caches peut-être des choses. Hein. Ok. Peut-être au bout d'un moment, le multi-expérience, on dégagera. On verra. On verra. Si je vais être le plus fort, c'est pas pour rien. C'est pour avoir la méga classe. Combat. Fight. Versus. Fouch. Gilin. Gilin, le dresseur en herbe. Excusez-moi. Tadmorph. Alola, bien sûr, avec une super ball. Ho ho ho. Vas-y, Brani. Alors, t'es quel type? T'es ténèbres, poison. Un petit pic-pic. Il va résister, hein. Écrase-face, ça va. Toxi-touche. Oh! D'accord, si il m'attaque et qu'il me touche, il m'empoisonne. 5 PV aussi, on peut continuer. Vas-y, Brindibou. Armure. Ok. Le poison qui fait toujours aussi mal. Mais on enchaîne avec Pic-Pic. Et ça passe, yes. Ah, chaîne niveau 8. Niveau 10, je rappelle, pour avoir pas d'illusion. Donc, il va falloir que je soigne mon Pokémon là-bas. La méga classe, c'est pas tout de suite. Et si je visais la bogostude plutôt. Ah, mais c'est vrai qu'on a le bouton sur l'écran tactile, on peut appuyer pour enlever le poison. Il faut y penser. Hein. Tant pis, la vie continue. J'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Je connais ta supériorité. Tiens, j'ai un cadeau rien que pour toi. Prends cette CT. Rengorgement. Oh, à quoi ça sert? Un numéro 1, utilise une CT sur Pokémon pour l'enseigner. Hein, tu peux utiliser ça d'autres fois. Ok. C'est pas un super cadeau. Oh, c'est la cloche de l'école? C'est l'heure du goûter? Attention, s'il vous plaît. Agito est attendu au premier étage. Je répète. On parle avec l'autre main. Agito est attendu au premier étage. Dis donc, comment se fait-il que tu sois convoqué comme ça? Tu as fait une bêtise? Peut-être bien que oui. Attends, t'es sérieuse là? Est-ce que tu veux soigner? Merci. Le prof veut te parler en tête à tête. Oui. Il est où? Hop. Allons le voir. Oui, par contre, t'es où? Ça qui est bien à savoir aussi. C'est toi dans les escaliers? C'est toi, apparemment. Agito, bravo, franchement, je n'en reviens pas, c'est pareil. Tu as battu tous mes élèves. Je ne peux pas rester les bras baillants, je dois tester ton niveau personnellement. Accorde-moi un combat. Bah, vas-y. Bien, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Ah! Fight! Contre Samia la prof. Un Magnéti, oh! T'es pas là pour rigoler, toi, hein? Allez, Brindibou. Niveau 8. On va essayer étonnement. Il a la trouille, parfait, génial.
Oui, donc étonnement permet de donner la trouille au Pokémon et du coup ça fait passer son tour. Et en plus ça fonctionne super bien, donc on va continuer. Étonnement par contre c'est pas une attaque très 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 puissante. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas utilisé tout à l'heure. Éclair. C'est fort en chocolat. Ça tient. Continue Brindibou. Ne lâche pas. Oh là, je suis étonné. Et pour finir, attaque feuillage. Et demain, elle a deux Pokémon, donc on va voir quel est l'autre. Il apprend Météore. Qu'elle est en niveau 8. Un Miaousse. Est-ce que je peux changer de Pokémon? Bah écoute, on va continuer sans changer, on est bien avec. Par contre, je vais laisser cette option parce qu'elle est pas mal. Bon bah, let's go encore au feuillage. Hein. Morsure, waouh, il a plus de vitesse. Aïe, 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 aïe. Allez, Brindibou. Ne te laisse pas apeurer comme ça. Bien. Parfait, encore un coup. Et on va le finir. Ok, c'est bon. C'était assez chaud, mais ça va, c'est passé comme il faut. En plus de la galère à parler depuis tout à l'heure. Ça arrive, 40 PV, 43 PV. Yeah. Tu veux pas venir enseigner ici? Mais non, je rigole, tiens, pour la peine, c'est encore mieux qu'une image. 5 Super Balls. Oh, merci, c'est gentil. Super Balls, c'est encore plus facile d'attraper des Pokémon qu'avec une Pokéball. La sœur qui connaît son équipe à fond, c'est un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? Salut petit Ed, je me présente, je suis le capitaine Alteo. Je servais tes combats et je dois dire que tu te débrouilles bien pour une débutante. Ce petit prodige, c'est Agita, elle vient de Kanto. Accroche-toi à Tibigoudi parce qu'elle ira loin, vu comment elle gère. Je vois, bienvenue alors. Puisque tu gères autant que ça, viens donc tenter mon épreuve. Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île avant de pouvoir défier le doyen. Et l'épreuve du grand capitaine Alteo se passe dans la grotte verdoyante. Mais un conseil tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Ce n'est pas les autres herbes qui manquent à la Eka Eka, tu n'auras qu'à te baisser pour glaner quelques Pokémon. J'ai hâte de te voir comment tu vas t'en sortir. Ah, t'as un peu shooté le mec. J'ai dit que le taureau se bloquait encore la route en bas. Je sais pas si t'es au courant, mais ce taureau c'est une vraie star à mêler. Jita, je crois que nous n'avons plus rien à t'apprendre. Bon vent. Ah, c'est l'heure du dîner. Ok. Et je veux voir au niveau de la CT là que j'ai obtenue. Le truc c'est de bien s'entendre avec ces Pokémon, aime-les et ils te le rendront. Et surtout fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut. Bonne chance pour le tour des îles. Amuse-toi bien et fais-toi plein d'amis. La pratique que tu as pris pour accomplir ton tour des îles. Profite bien de cette belle aventure et bonne chance, futur lauréate. Et surtout n'oublie pas les CT et rends ton équipe super forte. Montre-leur qui est la boss. Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec Brindibou. Si tu veux, je peux te servir de guide dans Eka Eka, suis-moi. Ok, madame. Je veux voir ma CT, s'il vous plaît. Agita, par ici. T'es vraiment bien battu à l'école, c'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tes Pokémon et toi. T'es lancé à la rescousse de Doudou alors que tu n'étais pas encore dresseuse. Et ton Pokémon, on voit bien qu'en fait, c'est quasiment lui qui t'a choisi. Je comprends pourquoi tes Pokémon t'aiment tant. Oh, j'ai oublié le Tauros. Ouais, ça me fait chier lui. Oh, mais qui voilà, ma petite Lily, ma petite Agita. Ce gros état de Tauros vous fait peur? Ne vous en faites pas, elle est entre de bonnes mains. Tu vas peut-être le caresser, Agita. N'hésite pas tant qu'il est de bon poil. Eh bah, écoute ça, attendra. Moi, ce que je vais faire au niveau de mes Pokémon, c'est comment? C'est soigner, ok. Donc, je vais voir la CT. Sac. Les CT, les CT, les CT. Le vigrif que je... pas mettre quoi que ça pourrait être intéressant quand même.
Voilà, Brindibou, si jamais t'as d'autres Pokémon qui ont plus de vitesse, et bah, il pourra avoir la priorité. Rengorgement. Ce lanceur se rengorge, augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Oh. Ça va être pas mal, ça. Je vais enlever charge. Oui. J'ai oublié cette capacité. Augmentation de puissance. Si jamais on a des gros combats. Ok. Je vais voir aussi un autre truc. Est-ce qu'on peut ranger nos CT? Ça serait cool. Alors. Si j'appuie, l'ordre de capacité peut être changé. Ok, donc là j'ai Pic-Pic par exemple, je peux le mettre ici. Ok, super. Et engorgement, je vais le mettre au fond. Voilà, étonnement 30. Pic-Pic 35. Et ça 40. Voilà, je garde de bonnes attaques. Et puis, je pense que tout est bon. On va s'arrêter devant le taureau, ça. Voilà. Ok, et j'espère t'avoir apprécié cet épisode. Je te donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Pokémon Lune. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Malo.